Après, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de dispositifs justement qui sont mis en place pour ce côté-là féminin. Mmh. Bon, après, ce qui est dommage, c'est que c'est créer des choses pour contrer les inégalités, mais au final, c'est recréer, enfin, c'est un peu une surenchère aussi à un moment donné. Mais c'est vrai qu'il y a plein de réseaux comme Entreprendre au féminin, par exemple, qui permettent de faciliter la création d'entreprises et qui débloquent aussi sur tous les freins psychologiques. Par exemple, je suis une femme, mais à un moment donné, si un jour je veux par exemple faire des enfants, c'est pas possible de gérer les deux. Mm-hmm. Entreprendre au féminin, là, ça permet aussi de dénouer un peu tous ces freins psychologiques. Donc Josette Vivier, je suis chargée d'accompagnement pour Entreprendre au féminin sur le département des Côtes d'Armor et sur le territoire aussi de Saint-Malo. Tout a commencé dans le Finistère. Mmh. En fait, le département 29 mmh. avait une bourse de jeunes créateurs. Et en fait, ils ont constaté que cette bourse-là n'était pas du tout attribuée aux femmes. Donc il y avait essentiellement, enfin, c'était l'ensemble de la bourse et bénéficiait aux hommes. Donc en fait, à partir de ce constat-là, ils ont commencé à chercher mais pourquoi les femmes ne prétendaient pas à cette bourse-là. Mmh. Et en fait, ils ont constaté, notamment avec une étude, que l'âge moyen de création d'entreprise chez les femmes, c'était 35 ans. Quand la vie familiale était bien installée, mmh. et du coup, bah, les femmes pouvaient s'accorder le droit de développer leur activité parce que la vie familiale était assez bien posée, quoi. Mmh, et en fait, la bourse était attribuée aux personnes de moins de 30 ans. Donc déjà, de fait, ça sélectionnait les bénéficiaires. Cette étude qui a été menée au sein du conseil départemental du 29 a eu lieu en 2003. D'accord. Et en fait, en 2003, à la suite de ça, de toutes ces freins qui ont été levés, mmh. Ils ont décidé de mettre en place un programme Equal, donc c'était un programme européen avec des financements européens, pour mettre en place une formation émergence de projet. Donc cette formation, elle a eu lieu de 2007 à 2000, de 2005 à 2007, mmh. ça a duré 3 ans, ou 2-3 ans. Et donc il y a eu des promos chaque année, où il y avait donc 20 femmes, deux fois par an, qui étaient accompagnées sur la mise en place de leur projet. Et c'était un projet qui était en lien avec le Technopole de Quimper, plusieurs grosses structures d'enseignement. D'accord. Et à la suite de la fin de ce programme Equal en 2007, donc c'était terminé. L'expérimentation avait été faite pendant 3 ans, hop, plus de financement, on arrête tout. Et en fait, les bénéficiaires, donc les femmes qui avaient bénéficié de ces accompagnements-là, se sont dit on ne peut pas laisser mourir un truc comme ça. Donc le programme Equal s'appelait Entreprendre au féminin. Et en fait, ce sont les femmes, donc c'est-à-dire les bénéficiaires du dispositif, qui ont décidé de monter une asso pour continuer de pérenniser les choses. Donc ils ont remonté des projets européens, c'était une énergie de dingue. Oui, et en fait, en 2008, Entreprendre au féminin a été créé, donc on va fêter nos 10 ans là cette année. Et donc ça a été de 2008 jusque 2012, uniquement finistérien. Et à partir de 2012, la région nous a dit, ok, on vous suit dans le financement, par contre on veut que vous soyez régional. Et en fait, à la suite de ça, donc dans l'étude, ils ont pu aussi constater qu'il y avait un certain nombre de freins et de motivations spécifiques liées aux femmes sur la création d'entreprises. Par exemple, en termes de freins, on sait qu'un des freins principaux, c'est le manque de confiance en elles. C'est la légitimité. Est-ce que je suis légitime pour créer mon activité? Un autre frein aussi qu'on constate, c'est la gestion du temps, l'articulation des temps de vie, parce que on sait déjà que dans une activité entrepreneuriale, on est au four et au moulin, on est sur la communication, sur la production, sur la commercialisation. Et donc du coup, ça nécessite des compétences multiples, il faut être polyvalent. Et en même temps, on est aussi femme, on est mère, on est investi socialement, politiquement, et que ces sphères professionnelles, personnelles et familiales ont besoin aussi d'être équilibrées. Ouais. Et finalement, le dernier frein que nous, sur lequel on essaye d'avancer aussi, c'est le rapport à l'argent. D'accord. Parce que derrière le rapport à l'argent, c'est comment je fixe mes prix. Derrière ça, c'est je fais quelque chose que j'aime. J'ai pas besoin d'être beaucoup payée puisque je fais quelque chose que j'aime. Donc du coup, c'est aussi, ça renvoie à la valeur que je peux porter sur moi et sur ce que je peux délivrer, donc comme service ou comme produit. Il y a aussi dans le rapport à l'argent, c'est aussi les femmes, on constate qu'elles empruntent très peu.
parce qu'elles veulent pas aussi engager le budget de la famille. Les femmes que je rencontre, c'est ouais, j'ai un petit projet, j'ai une petite entreprise, tout est petit chez les femmes. Et j'ai un petit site internet. Et en fait, l'idée, c'est aussi de leur dire que c'est possible de développer et d'être ambitieuse et d'être audacieuse et voilà, il y a pas, il faut pas avoir peur de ça, quoi. On a à peu près 80%, enfin 70% de nos publics qui sont en situation de monoparentalité. D'accord. Donc ça pose aussi question sur la gestion de l'activité. Le reste, c'est aussi des femmes qui sont soutenues par leur conjoint, mais on peut sentir aussi des freins au niveau de la sphère familiale. C'est-à-dire que c'est là où ça renvoie aussi au côté affectif, c'est que nos proches ont peur qu'on se lance, donc ils vont mettre des freins, mais t'es sûr que ça va marcher, t'es sûr que tu vas, voilà. Ouais. Et en fait, à trop vouloir protéger, on empêche à la personne d'avancer. Donc quand on parlait des freins, nous, notre manière de lever ces freins-là en partie, c'est notamment la partie confiance en elle. On sait qu'une dynamique de projet, c'est plutôt en forme de boucle comme ça. Donc quand on est en haut de la boucle, c'est super, on a une énergie, on a envie de développer, tout est super. Par contre, quand on est plutôt en phase descendante, c'est plus compliqué. Et là, en fait, le groupe, nous, on mise beaucoup sur le collectif et le groupe est très soutenant. Donc, ça veut dire qu'entre les journées de formation, elles font des intercessions où elles se retrouvent entre elles pour travailler sur leur modèle économique. C'est aussi, on fait des temps collectifs en début de séance, en fin de séance pour voir où on en est. Et voilà, il y a des choses qui se passent dans le groupe, c'est assez fort. Et donc la confiance en soi, on la cultive tout au long du dispositif à travers ce collectif-là. J'en reçois beaucoup de femmes qui sont dans le statut, qui sont salariées, qui sont passionnées par leur travail, mais qui ne font plus leur travail dans des conditions acceptables pour elles, et qui décident de tout arrêter, parce que soit elles veulent faire le même métier, mais avec les conditions qu'elles ont choisies et à leur manière, soit c'est des femmes qui ont été carrément dégoûtées de leur métier, et qui, à l'heure d'aujourd'hui, ne veulent plus en entendre parler et veulent repartir sur un projet de reconversion. Donc là, on a beaucoup de femmes et qui sont soit qui sont passées par un burn-out, soit qui viennent nous voir et qui sont sur le fil du rasoir, on sent bien, quoi. Notre rôle, c'est aussi d'être un peu une courroie de transmission, quoi. C'est qu'elles viennent nous rencontrer, la problématique, la demande vient avant tout du projet professionnel, donc on va travailler là-dessus, mais inévitablement, si on sent que la personne est dans une situation familiale un peu trop compliquée et que ce contexte-là parasite l'émergence du projet, il faut peut-être d'abord s'occuper de ça et après avoir la tête un peu plus libérée pour se consacrer au projet professionnel. Mais les femmes, quand on les reçoit autour de... Donc on a la formation émergence de projet dont on parlait tout à l'heure, mais avant ça, on a un entretien individuel qui dure 1h30-2h. C'est un entretien individuel dans lequel on est en écoute active. Donc les femmes, quand elles viennent nous voir, elles ont été voir d'autres partenaires aussi de la création d'entreprise, des partenaires plus institutionnels et qui n'ont peut-être pas la même approche psychosociale que nous on peut avoir. Donc forcément, quand elles arrivent pour parler de leur projet avec cette approche-là, les valises se déposent facilement. Et forcément, ça... Il y a une empathie qui est présente dans le déroulement de l'entretien, quoi. Donc voilà, on pose les choses et c'est là qu'on peut déceler des freins que si on avait une approche purement technique et purement administrative, on capterait pas ça. Donc on sait que les femmes, elles ont besoin de se faire accompagner, lever les freins, mais elles ont aussi besoin de se retrouver entre elles. Donc pour ça, en fait, on met en place ce qu'on appelle des cafés off. Donc c'est des temps de rencontre, on se retrouve dans un bar ou bien chez une femme qui nous ouvre sa porte et nous fait découvrir son atelier, son activité, donc un peu sous forme de retour d'expérience et puis voir en vrai quelqu'un qui est installé, c'est toujours plus parlant. Donc il n'y a pas d'heure du jour, on vient là on ramène nos cartes de visite ou on vient là pour écouter les expériences des unes et des autres. Et on est aussi dans le fait qu'elles cultivent elles-mêmes leur propre réseau économique. Quand on est en formation, qu'elles sont 20 femmes à suivre la même formation,
eh ben, elles constituent déjà leur premier réseau. Et l'idée, c'est de se dire, ben, là, je ne suis pas toute seule. Et en identifiant comme ça des personnes ressources, eh ben, on sait qu'on peut développer l'activité. Donc le café off, c'est purement ça. C'est vraiment récolter des cartes de visite et agrandir notre réseau. Et ce qui est marrant, en fait, dans le côté rassemblement de femmes, alors, enfin... on est aussi parfois confronté à des regards de pourquoi un accompagnement spécifique femme, pourquoi pas un accompagnement spécifique homme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que actuellement vous allez dans un réseau économique, quel qu'il soit, un réseau mixte, il y a beaucoup d'hommes, parce que les rencontres, elles se font à 18h30 et que c'est pas la meilleure horaire pour faire des rencontres réseau, et voilà, c'est une réalité. Et ce qu'on constate aussi, c'est que quand on met 10-15 femmes autour d'une table et on échange, et ce qui se passe à ce moment-là, ça ne se passe pas quand il y a des hommes. Et voilà, c'est pour l'avoir vécu, c'est la réalité. Enfin, il n'y a pas de... L'échange n'est pas le même. Non. Et c'est là où la sphère professionnelle, la sphère familiale, tout ça s'entremêle. Parce que la spécificité des projets des femmes, c'est que, certes, elle est multicasquette. On disait tout à l'heure, maman, femme, élue, voilà. Mais elle est une seule et même personne, donc on n'est pas en train de se saucissonner tout le temps, quoi. Et forcément que quand on se retrouve, forcément ce que va dire une femme, ça va faire écho à sa propre expérience. Et nous, on encourage les femmes. Souvent, les femmes qui viennent nous voir, c'est à des périodes un peu charnières, voilà. Et en fait, finalement, le réseau féminin, c'est une parenthèse. On sait qu'on peut déposer les valises tranquilles, qu'il y a de la bienveillance, qu'on va pas être jugé par rapport à ce qu'on va pouvoir dire. Donc ça, du coup, ça, voilà, c'est un peu la parenthèse. Mais par contre, on encourage, nous, les femmes, à aller vers des réseaux mixtes, parce que c'est la réalité, parce que c'est aussi... on est là aussi pour dépasser sa zone de confort. Et c'est ça qui est intéressant. Après, on le fait de manière sécurisée, mais petit à petit, on repousse cette limite. Et puis finalement, après, on va dans des réseaux mixtes où il y a plein d'hommes. Et la thématique de l'égalité, je pense que ce qui n'est pas simple aujourd'hui, c'est que ça semble tellement évident, et en même temps, il y a des fonctionnements qui sont tellement ancrés qu'on a du mal à voir l'aboutissement. Et je trouve que ce qui n'est pas évident, c'est que c'est un peu un serpent de mer qui est un peu sous-jacent. Et là, on a beaucoup de paroles qui se sont levées sur la thématique de l'égalité, sur le harcèlement sexuel. Et si cette parole-là n'est pas dévoilée, si on parle pas haut et fort de la thématique de l'égalité, il se passera rien. Et c'est parce qu'on légifère, parce que on impose un cadre, que les choses bougent. Et si on n'impose pas ce cadre-là, ça ne changera jamais. Tout l'intérêt des organismes tels que le CIDF, tels que la Maison des Femmes, ou Entreprendre au Féminin, même Femmes de Bretagne, qui est aussi un autre réseau féminin. Et voilà, c'est de permettre aux femmes de se retrouver, de pouvoir poser les choses et de pouvoir après aller rencontrer des réseaux mixtes pour aussi montrer que les femmes, elles ont des choses à apporter.